Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ, ami des pécheurs, nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue également aux personnes qui sont unies à nous par la télévision. Et nous sommes invités ce matin à prier pour la famille de la part de M. Edgar Bach. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Reconnaissons que devant Dieu, nous sommes malades et pécheurs et que nous avons besoin de guérison. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait dans la tribu de Benjamin un riche propriétaire qui s'appelait Kish. Cet homme avait un fils nommé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de la tête. Des ânes appartenant à Kish, père de Saül, s'était égaré. Kish dit à Saul, « Prends avec toi l'un de tes serviteurs et pars à la recherche des ânes. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Shaalim. Elle n'y était pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors ils allèrent consulter Samuel. Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur lui dit, « Voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui gouvernera mon peuple. » Saül aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit, « Indique-moi où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi le voyant. Monte devant moi sur le haut lieu où je vais offrir un sacrifice. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. » Le lendemain, Samuel prit une fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et il lui dit, « Oui, c'est le Seigneur qui t'a consacré comme chef d'Israël, son peuple choisi. » Parole du Seigneur. Gloire à toi,
le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Ta force, Seigneur, fait la joie de ton élu. Alléluia. Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. La foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi, et voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Regardez, Dieu choisit Saül, sachant qu'un jour, il en serait déçu. Il a choisi David, sachant qu'un jour, il se détournera de lui. Jésus choisit Lévi,
un publicain, un collecteur d'impôts, quelqu'un de très mal vu dans la société de son temps. Comment nous sentirions-nous si une personne que nous estimons mangeait avec le pire des fraudeurs? Nous serions peut-être aussi offusqués que les scribes et les pharisiens de l'Évangile. N'est-ce pas agaçant de voir Jésus fréquenter des pécheurs alors que nous faisons tout pour vivre de manière honnête et juste? Voilà une interpellation à nous remettre en question et à voir les autres et nous-mêmes avec le regard miséricordieux de Dieu. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où la grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude. » En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Claude Turcotte et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions sa louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, nous serons en face de l'allée centrale et en face des deux allées latérales. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui vient guérir tous les humains et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que s'avance celle qui doit porter la communion à un malade. Recevez le pain de vie, portez-le à notre frère malade, dites-lui que nous avons prié pour lui, demandez-lui de prier pour nous. Et merci à vous tous et à vous toutes d'être venus célébrer avec nous ce matin. Merci aux différents ministres qui, par leur service, nous ont aidés à mieux prier et à prier en beauté. Et nous prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes appelés par le Père à vivre en témoin de sa miséricorde. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Amen.